Yo tout le monde, c'est Wariox. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Evil Within pour vous montrer comment avoir 100 000 gels verts. Donc le gel vert, par exemple, c'est ce qui est là marqué en bas à droite, 12 950. Donc pour moi, c'est pas un glitch. C'est une technique qu'il faut faire. Et comme vous pouvez le voir, au fait, vite fait, j'ai un bazooka sur le dos. Le truc chiant, c'est qu'on peut pas se déplacer avec. Et une mitrailleuse. Parce qu'en fait, quand j'avais fini le jeu en mode détente, j'avais reçu tout ça. Mais moi, je croyais que c'était en recommençant une partie qu'on allait recevoir la mitraillette et le bazooka. Mais non, il fallait faire une partie plus. C'est-à-dire que tu peux choisir n'importe quel chapitre pour le rejouer. C'est cool. Mais sauf que je trouve pas de balles de mitraillette, donc faut bien en trouver. Enfin, faut bien en trouver, faut bien les respecter et puis pas trop l'utiliser. Comme le bazooka, j'en ai utilisé plein, j'en ai plus que 4 parce que je pouvais obtenir un trophée si je tue 10 ennemis avec une arme secrète explosive. L'arbalète ne compte pas. Alors c'était bien celle-là. Donc comment il faut faire? Déjà, il faut faire ça. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Alors bien sûr, ça ne vient pas de moi, parce que... Ça ne vient pas de moi, enfin c'est pas un glitch, mais ça ne vient pas de moi cette technique d'avoir du gel vert. De toute façon, beaucoup le savaient, mais moi je n'y arrivais pas. Bon là, je vais jouer, je vais pas utiliser mes balles de mitraillette, enfin... Je vais utiliser l'arbalète. Ah non, mais l'arbalète aussi, j'ai plus beaucoup de trucs. J'ai pas autre chose, je sais pas moi. J'ai tout utilisé pour la fin, je fais mon con. Allez, on va jouer le mec hyper nul au carreau explosif pour aller plus vite. Donc déjà, il faut tuer le boss là. On en refabriquer un. Hop. Alors voilà, vous approchez ensuite. Oh, dis donc, bonjour toi. Comment vas-tu? Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, hein. Bon, je l'ai déjà buté, voilà. Donc ensuite, attention, dès que vous l'avez buté, vous pouvez ramasser. Oui, donc d'abord il y a ça, d'accord, oui, c'est bon, on geek. Il disparaît, voilà. Donc ensuite, vous pouvez ramasser son gel vert si vous voulez, mais ne ramassez pas la tronçonneuse. Ne la ramassez pas. Ensuite, vous allez monter à cette échelle. L'échelle là. J'ai pas besoin de vous montrer où est-ce que on est. Vous savez très bien que c'est la grange, là où est-ce qu'il était, hein, d'accord. Ah, attendez, parce que sinon j'ai oublié. Parce qu'à chaque fois que je passe par là, j'oublie. Il y a un petit coffre, pour ceux qui ne savent pas, derrière la porte. Où est-ce qu'il était? Il n'est pas piégé. Sinon, il fallait l'ouvrir à moitié, le truc. Voilà. Voilà, donc ensuite, vous prenez le pistolet de préférence, parce que je ne sais pas si ça marche avec une autre arme. Donc, gardez des balles de pistolet, au moins une balle de pistolet. Il faut utiliser des balles, hein. Je sais pas s'il faut avoir fini le jeu pour parce que par exemple pour la tenue du brisseur sur Watch Dogs 2, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce qu'il faut finir le jeu, des trucs comme ça. Donc là, je vous le dis honnêtement avant qu'on me pose des questions, je ne sais pas s'il faut finir le jeu, mais en tout cas, il faut pas prendre la tronçonneuse. Ensuite, écoutez. Bon, voilà, écoutez. On entend des bruits de corbeaux. Il y a un corbeau ici, donc vous tirez dessus. Voilà, putain, ça marche. On a une cinématique ensuite. Une cinématique un peu dégueu, mais c'est pour vous montrer où sont les corbeaux. Donc là, actuellement, j'ai pas la vidéo devant moi, donc je sais pas trop. Mais je crois que je sais, enfin, je crois que je le sais par cœur là maintenant. Alors franchement, ne me dites pas que je suis un glitcher, que ça marche pas, tout ça. Si ça marche pas avec vous, c'est que vous l'avez mal fait ou qu'il vous manque quelque chose. Hein, alors, parce que comme la tenue de bruisseur, j'ai reçu des messages dire « il marche pas ton tuto, mec ». Je suis désolé quand tu compares les likes comparé aux dislikes. 83 likes à 2 dislikes. Enfin, je sais pas si ça a bougé parce que... Ensuite, la tronçonneuse, bah prenez-la pas tout de suite. Hein. On sait jamais. Ensuite, vous partez. Donc là, vous voyez, là, il y a le grand truc. Vous partez à l'arrière. Et là, il y a un corbeau, regardez. Là, il y a un corbeau. Et là aussi. Et bah, tout ce qu'il vous faut faire, c'est les tuer.
Hop. Alors voilà. Donc si ça marche pas avec vous, moi je le fais avec la mitrailleuse. Hein, parce que sur la vidéo, j'ai vu qu'il l'avait fait avec la mitrailleuse. Mais vous, je ne sais pas si vous êtes obligé de le faire avec la mitrailleuse. D'ailleurs, j'avais pas vu ça. Piège, je désactiverai après au cas où ça bug mon truc. Et le dernier, je crois qu'il est en haut. Donc il faut monter à l'échelle ici. Attention à un petit screamer qui va tomber au cas où vous n'êtes pas passé à côté. Faites gaffe. Donc franchement, moi c'est un bug. Enfin, c'est pas un bug, mais... Pour avoir 100 000 avec un oiseau, c'est chelou parce que quand tu tues des gros monstres et que t'as seulement 10 000. Voilà, donc il est là. Là, c'est le dernier. Hello. Derrière, il y a de la fiole qui tombe. Je savais même pas. Une fois, on m'avait dit, je crois. Non, c'est pas. Wow! Hey, regardez comment Sébastien y descend. Encore un bug dans The Evil Within. Bah, bravo! Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, le dernier oiseau, il est ici, normalement. Quoi? Pourquoi il est pas là? Lol! Sébastien, qu'est-ce que tu as fait? Je crois que j'ai foiré mon coup. Eh bah, tu sais quoi? On se retrouve dès que j'ai réussi. Alors là, c'est pas drôle parce que je voulais lui tirer dessus, mais il s'est barré. Du coup, je fais comment? J'ai remis ça comme ça parce que je me suis dit c'est assez drôle parce qu'il vient de se barrer. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était un peu trop tard, mais du coup, là, je suis un peu dans la merde. Mais je vous précise juste que c'est dans le chapitre 3 dans les griffes de la Horde. Alors là, c'est sûr que je vais l'avoir parce qu'en fait, j'ai oublié un corbeau et en fait, il était très bien caché. Donc, je pense en fait qu'il faut la carabine, mais je ne suis pas sûr. Attention, mais si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il faut la carabine. Donc attention, je sais comment il faut faire. Donc déjà, le premier corbeau, on sait tout ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est que au pistolet. Après, vous pouvez essayer si vous n'avez pas de balles de pistolet ou autre. Et prenez des balles de pistolet. C'est pas le problème de recharge, rien du tout. Parce que lui aussi est rechargé, celui que j'ai regardé à l'instant. Bon, je vais aller chercher des balles. Hop. Voilà. On y va. Ah, par contre, merde aussi. Parce que je crois que j'ai pas des balles de sniper. Merde. Je sais pas comment je vais faire, mais ça va être chaud. Parce que, attention, parce que si vous prenez la tronçonneuse, vous aurez le corbeau, mais vous n'aurez pas la cinématique. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez. Vous n'aurez plus qu'à vous suicider. C'est ce que je me suis dit, hein. Dans la tour, j'entendais deux corbeaux. Je me suis dit, il y en a deux ou un seul? Et effectivement, il y en avait deux. Il y en a un tout en haut de la tour et un en bas. Donc voilà, donc là, Et bah, au pire, j'ai une roquette. Mais j'ai pas de balle de snipe, sérieusement, là. Oh, merde. On va faire notre mieux. Vas-y, saute. Voilà. Donc ensuite, vous redescendez. Là, c'est sûr, on va l'avoir, vous inquiétez pas. Si j'y arrive pas, je vous donne tous 5 euros. Oh, j'ai cru que c'était un piège, j'ai eu peur. Voilà. Voilà. Ensuite, là, je sais pas comment je vais faire, mais il est tout en haut. Oh, je l'ai eu. Regardez. Il est là. Bon, ensuite, dès que vous l'avez, vous pouvez aller chercher celui-là qui est sur le truc, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Il est pas en haut, mais en haut de l'échelle, si vous voulez comprendre, voilà. Bon, ensuite, vous allez là. Il y a un autre secret de The Evil Within que je ferai dans une autre vidéo.
C'est un cochon géant. Oh, ils sont tellement mignons, mais ils sont infectés. Donc dites-vous ça, ils sont infectés, ça sert à rien qu'ils vivent. Voilà, et normalement là, si je tue le dernier... Oui, regardez. Attention. 100 000. Voilà, plus 100 000. Voilà. Je vous ai pas menti, regardez bien. À droite, 112 950. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like, hein, vous savez, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.